On enlève. On enlève. Ça va, on n'est pas faut pas nous laisser. Hein. Ah non. Pas beau comme ça. Et puis le dimanche aussi, hein, vous êtes sur Beauval. Toujours. On n'a jamais quitté Beauval. Toujours d'ailleurs, merci pour Beauval parce que franchement. C'est vraiment là, même les gens sont contents. La chaussée qui a été refaite, la route, c'est top. Franchement, c'est du parking, Georges Claude. Non, mais déjà là, c'est beaucoup plus attrayant pour nous. On a des, encore une nouvelle clientèle qui vont trouver parce que c'est vraiment. On est tous contents. Je vais travailler avec ma femme. C'est la quatrième plus grande maison de poisson que j'ai à ce crustacé. En gros 6, la maison de Jean. Et en gros 6, c'est-à-dire que c'est la même chose qu'ici, mais en gros 6. Alors, c'est nous qui revendons le poisson au poissonnier, au restaurant. Et maintenant, on a développé un nouveau, c'est les. Donc on l'assiette directement au bateau. Donc ça, faut. C'est 50 personnes. Hein. 50 personnes. Ouais, ça fait plus d'artisanat là. Donc voilà, on sort. Bon, et alors le piston, il est chaud, ça va? Il n'y a pas de patate. Attends. Je l'ai toujours dit, c'est vous, inquiétez pas. Je le serai toujours. L'info, ils sont rêves s'exhaustent parce qu'ils n'attendaient que ça. Bon. Ils n'attendaient que ça. Alors on a un cadeau. Bonjour. Oh au président des commerçants quand même. Mo love you. C'est top. Loves you, pardon. Voilà. Oh, c'est gentil. Merci. Bah oui. Non mais. Oh là là. Attends, mais moi je m'en vais, toi t'es encore là, Frédéric. Non, arrête d'être jaloux, Frédéric. Toi t'es encore à bon. Il y a même un petit mot dessus. Ça va, vous êtes des amis. Merci beaucoup. Non, mais je vais faire partie de vous. Ah oui, moi je m'en vais. Ah, il est même pas au courant, voilà. Mais ça ne me sort pas. Bonjour monsieur. Ça va? T'es pas encore là, donc t'as pas besoin de faire. C'est pour toi ou c'est pour moi? C'est un cadeau de bienvenue ou c'est un cadeau d'au revoir? Avec ça? Cherche pas ta carte bleue, il est là. Alors donc, on dit au revoir à notre poissonnier. Écoutez, on est un peu triste de voir partir Eric Boss. Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que c'est quand même un monument de la place. Hein. Bon, en plus, c'est devenu au fil des années, et Dieu sait s'il est là depuis longtemps, un ami, parce qu'on a mené beaucoup de combats ensemble pour le commerce meldois, pour son développement, que ce soit Place du Marché ou que ce soit à Beauval. Donc c'est vrai que c'est un exceptionnel poissonnier. Voilà, donc on le voit partir avec tristesse, mais un, il passe le relais à son fiston, qui connaît le métier par cœur, qui est super bosseur, qui est super pro, donc ça me rassure, donc même. Deux, il va mener une nouvelle vie à Rungis, nouveau métier, si je puis dire, quand même, toujours dans le poisson, une nouvelle vie. Et puis trois, il ne va pas nous oublier, c'est pas possible qu'il ne revienne pas de temps en temps quand même me voir. Voilà, donc globalement, on est triste et pas triste. Voilà. Triste parce qu'il va nous manquer, mais pas triste parce que la relève est assurée avec le fiston. Voilà. Ah bah c'est bien. Alors, vous nous quittez ? Eh oui, je vous quitte. Mais bon, je reste dans le coin, je ne suis pas très loin quand même. Hein. Je reste à accompagner Sébastien, mon fils, qui fait la relève. Alors, avant de partir, je souhaitais voir M. Copé, quand même, le maire de Meaux, depuis ça fait plus de 23 ans que je suis sur Meaux. J'ai toujours eu affaire à M. Copé, toujours affaire à la mairie de Meaux. Et je remercie vraiment cette mairie qui se donne à fond pour tous les commerçants et tous les commerçants de sa ville, aussi bien les sédentaires que les non-sédentaires. Parce qu'à un moment donné, j'ai quand même été 3 ans président de l'association HT Hameau. Et je ne peux vraiment que remercier la ville de suivre aussi bien ses commerçants et de les accompagner au mieux possible. Et encore un grand merci à la ville de Meaux, un grand merci à M. le maire Jean-François Copé. Voilà. Et c'est quoi votre nouvelle vie alors? Alors ma nouvelle vie, je vais accompagner ma nouvelle femme dans son projet en tant que grossiste de poissons, crustacés et coquillages sur Rungis. Voilà. Oui, Rungis, c'est autre chose. Voilà, elle a racheté la Maison Blanc depuis 3 ans. Et donc là, ça fait plus de 3 ans, enfin 3 ans qu'on est ensemble. Il est temps que je l'accompagne. Et les poissons, ils viennent d'où, les crustacés? Alors là, maintenant, on travaille, la Maison Blanc travaille principalement avec les criées de France, toutes les criées de France. Donc, principalement aussi
une très grande huître de qualité qui est Madame Gilardeau. Donc c'est des huîtres Gilardeau, l'une des la meilleure huître du monde. Ah oui. Ah bah quand même. Voilà. Et donc vous reviendrez quand même à Meaux? Bien sûr que je reviendrai à Meaux. C'est très dur pour moi de pas d'abandonner mes clients au bout de 23 ans quand même de carrière. Voilà. Ah bah c'est bien. Alors vous reprenez le flambeau? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial. C'est génial, vous c'est aimez l'eau? Après 17 ans à côté d'Eric, ben, je reprends la relève. Oui, parce qu'en fait, vous étiez déjà dans la poissonnerie. Oui, ça fait 17 ans. À Meaux? À Meaux. Ah oui. Avec les mêmes doigts. Ah oui, donc vous connaissez. Je connais, ça va. Donc vous allez continuer jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Après, il y a mes enfants, peut-être. Ils aiment bien? Ils sont un peu trop petits. À 2 ans, il a le temps de savoir. C'est un peu juste quand même. C'est ça. Très bien. Et donc, en fait, les poissons, ils viennent d'où de chez vous là? Principalement de Bretagne. Ouais. Donc, vous avez la Bretagne, vous avez la Rochelle. Ah, la Rochelle aussi? Que du poisson sauvage. Ah ouais? Principalement. D'accord. Et après, on fait toute la découpe sur place. Ah ouais? On fait les plateaux de mer toute l'année. Ouais. C'est bien. On ne change pas. Et là, vous allez avoir beaucoup de choses pour les fêtes? On espère. Hein? On espère, ça devrait aller. Ouais. On devrait avoir de la marchandise. Eh ben c'est bien. Eh ben merci.